Grenoble. C'est quoi ça? Arturo et ses maîtrises. Au musée Grévin, bienvenue dans ce lieu magique. Celui qui est considéré comme étant le plus grand transformiste du monde, le maître de l'illusion, fait son entrée dans le temple de l'art du vraisemblant qui est Grévin Paris. On ne pouvait rêver meilleure adéquation. Arturo, merci, car malgré tous ses succès, tous ses talents, vous n'avez jamais perdu la tête, sauf peut-être dans certains spectacles, et vous avez toujours su garder humilité et gentillesse. Nous allons découvrir ce personnage tout aussi magique que vous. Et on va je vais parler de mystère. Et oui, maintenant, place au mystère. Ce grand sourire, cet œil pétillant, c'est vrai que j'ai vraiment pris un grand plaisir à le réaliser. Tu vois, on est là. Enfin, lui, il est là. Il va se produire au musée Grévin parce qu'il change de costume 1000 fois par jour avec un truc, voilà, dévoilé, ce que je ne peux pas faire. Voilà. Et c'est un costume dessiné par Andrea Aste, un artiste de ma ville de Turin. Et donc c'est le soleil et la lune, mais moi je préfère la lune parce que je suis plutôt vampire, voilà. Et tu vois le détail incroyable qu'il y a, ils ont épargné sur le dentier parce que, et sur les cheveux, mais ça va coûter la mécanique. C'est une statue qui va être la première statue mécanisée du musée Grévin. Je vais me rappeler de mes 50 ans, comme ça, quand j'en aurai 105, je vais voir, 50 ans j'étais comme ça. Et puis lui, il vieillit jamais, il va rester toujours aussi jeune et beau.